diplomate et en tant que logopède, on utilise beaucoup les jeux, mais c'est vrai qu'au sein des classes, les jeux ne sont pas forcément utilisés, donc c'est un moyen finalement de un petit peu d'intégrer ce qu'on fait, de faire un petit peu un transfert, je pense, de ce qu'on fait nous dans nos séances en individuel et finalement en classe avec des élèves en groupe. Ouais, de faire le lien entre le jeu et les apprentissages. Et les apprentissages. Ouais. On a quand même fait beaucoup de langage écrit, et c'est vrai que chez eux, le langage écrit, c'est un peu une faiblesse. C'est un peu une faiblesse, ok. Et voilà, mais bon, ça permet de travailler la mémoire, de faire plusieurs rappels. Ils ont besoin aussi d'un support visuel, c'est pour ça qu'on a amené nos plastifiés. Voilà. Ils ont ce que j'aimais bien dans cet atelier, c'est que finalement, nous, Baobab, on a amené des jeux, des manières de jouer, et vous avez tout de suite réagi en apportant votre matériel de support, et donc c'est venu enrichir finalement l'atelier. Et donc je pense que les jeux ici donnent une ouverture pour les profs de voir ce qu'on pourrait proposer. De voir ce qu'on peut faire avec, voilà. Maintenant toi, tu peux donner une information aux autres ou tu peux construire le feu d'artifice. Là, c'est là, c'est là, c'est là. Mais vous allez chaque fois être par plusieurs en concurrence sur chaque expédition, d'accord? Ça leur permet d'être hyper attentif, d'être réactif aussi. Je pense que déjà ici, dans notre école, c'est des enfants qui n'ont pas beaucoup de ressources autres que l'école. Donc apporter ça, c'est vraiment leur faire découvrir. Et puis ils peuvent en apprendre beaucoup. Parce que déjà, juste certains mots de vocabulaire, la langue française, c'est généralement pas la leur, enfin la langue maternelle. De se concentrer, c'est pas toujours évident pour eux. Donc ils apprennent ça, mais de manière ludique. Et ouais, c'était très bien animé, très bien cadré. Franchement, même moi, je me suis bien amusée. Donc je recommande. C'est pas pour ça! Et donc il prend le trésor. Il y a voilà ça. Oh, c'est le trésor. Voilà, j'ai compris l'idée. C'est une facette de l'apprentissage qui est bien souvent dans les écoles négligée, d'une part parce qu'on a toujours l'impression de courir après le temps, et d'autre part parce qu'on se dit ils ont les récréations pour jouer, etc. Mais là c'est vraiment chouette parce que ça allie vraiment le jeu et les apprentissages, et c'est gai finalement de les voir travailler en jouant ou jouer en travaillant. Voilà, donc c'est une autre façon de jouer que les jeux traditionnels, ballon et autres qu'on retrouve dans les cours de récréation. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur de le faire parce que c'est pas une perte de temps, au contraire.